s'il vous plaît, s'il vous plaît. Où est-ce que où est, vous êtes vous? Levez ce truc là, s'il vous plaît. Levez-moi ça là. Levez-moi ça, s'il vous plaît. Où est-ce qu'ils sont? Ah, voilà, voilà. Alors, messieurs. Bonjour, messieurs, installez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous en place. Alors, bienvenue, messieurs, à cette réunion des humoristes anonymes. Si vous êtes réunis tous ici aujourd'hui, c'est que vous avez tous un problème de dépendance hein, à l'humour. Dépendance qui se manifeste un petit peu de manière différente. Je suis très heureux d'être là. Oui, nous aussi, Arnaud, merci. Dépendance qui se manifeste de manière différente hein, selon les cas. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons avec nous un petit nouveau, et ce petit nouveau s'appelle Arnaud. Bonjour, Arnaud. Bonjour Arnaud, bonjour. Voilà. Bonjour. Alors Arnaud, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton addiction? Parle-nous de ton addiction. Moi je veux bien, mais il faudrait peut-être commander avant de demander l'addiction. D'accord, donc ton problème à toi Arnaud, c'est les jeux de mots pourris en fait, c'est ça hein? D'accord. Oui, c'est ça. On va t'aider, Arnaud. On va t'aider, ne t'inquiète pas. Messieurs, vous pouvez vous présenter à Arnaud, s'il vous plaît. Oui, bah, qui voilà, veut commencer? Bonjour Arnaud. Moi, c'est Jérémy. Jérémy? Oui. Jérémy le couvert. Putain, c'est nul. Je suis désolé, j'ai craqué. Ça va aller, Arnaud. Moi, en fait, mon addiction, c'est l'humour noir. Je suis adepte de l'humour noir, addict. Oui, alors, bonjour. Moi également, je m'appelle Arnaud et je suis dépendant au stand-up américain. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis super content d'être là. Ouais, c'est cool. Ouais, ok. Ok, ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens, quand ils se présentent, ils disent « Hey, je m'appelle !»« Hey, mais gros, si tu t'appelles, faudrait peut-être d'abord que tu te répondes !» Tiens, en parlant de pharmacie, je joue tous les mercredis soirs au Comic Comedy. Merci Arnaud. Ouais, c'est tout pour moi. Merci. Merci Arnaud. Alors... Welcome to your house. Asseyez-vous. Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Florent, on m'a inscrit ici, mais je sais pas pourquoi. Oh. Peut-être une petite dépendance au bruitage. Ah non, j'ai pas de problème avec le bruitage, pas du tout. Faux. Game over. Bien. Je crois que tout le monde est là. Maintenant, je pense qu'on peut passer à notre petit cri de ralliement hein, pour souhaiter la bienvenue à Arnaud. Je vous... Levez-vous, voilà. À trois, tous ensemble, c'est parti. Un, deux, trois. J'aime l'humour pour toujours, mais je ne serai pas lourd. Okay. Je ne serai pas lourd. Le palourd, c'est le mari de la palourde. Ok, alors, c'est tout pour lui. Alors, comme vous le savez peut-être, pour guérir, hein, la première étape très importante, c'est déjà d'admettre qu'on a un problème, si vous voulez. D'accord? Toi, par exemple, Florent, tu penses que tu n'as pas de problème. Ah non, je n'ai pas de problème, tout va bien. Alors, raconte-moi, par exemple, ton dernier dîner avec une fille. Ah bah oui, alors mon dîner avec une fille, c'était hier soir. Ça s'est passé, on est allé au restaurant avec une fille que je trouve très jolie. Et alors, je lui ai dit tout simplement qu'elle me plaisait. Alors après, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux boire? Elle me dit, je préférais boire un petit... Je dis, ok. Bon, moi, je préférais prendre un...
D'accord. On a continué comme ça, et puis, d'accord, évidemment, à la fin du repas, je dis, est-ce que tu veux continuer la soirée avec moi? D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Bah, elle m'a giflé, elle a quitté le restaurant. Je crois que tu as un problème, Florent. Non, il a pas forcément un problème. Il a pas forcément un problème parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des restaurants non fumeurs. Pourquoi il y aurait pas des restaurants non vanneurs? C'est délire. Tu sais, t'es au restaurant avec une meuf, tu sais, et tu la fais trop rire, tu sais. Et puis là, il y a le serveur qui arrive et qui dit, excusez-moi, monsieur, c'est un restaurant non vanneur. Est-ce que vous pourriez faire vos vannes sur le trottoir? Ok, c'est tout pour moi. Ouais, wouh. Merci. Je crois bien que j'ai un problème en fait. Ouais. Ah, c'est bien, Florent, c'est bien. Je crois qu'on peut applaudir, Florent. Je crois qu'on peut. Christine, bravo. On se calme. Bien, maintenant nous allons passer aux exercices. Alors nous avons ici Jérémy. Et Jérémy, lui, est abstinent depuis 7 mois maintenant. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Ça fait 7 mois que je n'ai pas du tout fait d'humour noir, pas d'humour méchant depuis 7 mois. Alors je crois qu'on peut applaudir Jérémy. Mais doucement. Clap. Ok, je suis super content d'être là, c'est tout pour moi. Alors, Jérémy. Oui, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas. Alors, Jérémy. Non, ça va aller. Non, je sais pas si vous avez remarqué. Non, ça va aller. Ta gueule. Ok, ouais. Bien. Jérémy, 7 mois, c'est beaucoup déjà. On va voir si tu es complètement guéri avec ce test de la diapositive. Est-ce que tu es prêt, Jérémy, pour le test sûr, de la diapositive? Je sais que c'est pas Alors facile, regarde bien cet écran qui est derrière moi, Jérémy. Alors, donc tu vois, sur cet écran, il y a un petit chat, hein? Un petit chaton. Oui, il est très joli, il est très joli. Est-ce que ce petit chaton tout mignon t'évoque quelque chose? Absolument rien. Tu es sûr, Jérémy? Miaou. C'est un félin. Ils sont félins poulottes. T'as rien remarqué parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose Arnaud, laissez-le. Non, c'est important, laissez-le. Jérémy, regarde bien le pelage. Non, je vois bien, il ne m'évoque rien. Je n'ai absolument pas de blague à faire là-dessus. Ça... Même pas une petite blagounette. Non, ce chat ne me fait absolument pas rire. Alors Jérémy, et si je te dis que ce petit chat s'appelle Félix? C'est joli, Félix. Félix le Shoah. Toujours rien, Jérémy? Même pas une petite blague? Non, c'est un nom qui lui va bien, c'est bien, je trouve ça. D'accord, Jérémy, le propriétaire de ce petit chaton s'appelle David Cohen. Cohen, c'est une sacrée coïncidence. Assieds-toi. Non, vraiment, je ne vois rien de drôle du tout. Ça ne me fait pas du tout rire, ce n'est pas drôle. Eh bien, écoute, Jérémy, je pense qu'on peut te féliciter, je pense qu'on peut l'applaudir. Ok, vous êtes la super. Arnaud, range ce carambar. Qu'est-ce que tu fais? Non, Arnaud, ne fais pas ça. Non. C'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un mec qui a remarqué un truc qu'on n'aurait pas remarqué. C'est l'histoire d'un mec. Non, c'est pas. C'est un musulman. C'est l'histoire d'un juif. Taisez-vous. Laissez-moi faire. Taisez-vous. C'est l'histoire d'un mec. Non, Arnaud, regarde-moi. Raconte.
Pose, pose ce papier de carambar, Arnaud. Non, mais c'est l'histoire d'un mec qui... Non, non, tais-toi. Regarde-moi, Arnaud, tu vas y arriver. Tu peux y arriver. Pose ce papier de carambar. Pose-le lentement. Pose-le doucement. Mais le mec, il rentre dans le bar, tout ça. Le... Pose-le lentement, pose-le. Pose. Ok, c'est tout pour le papier. Ouais, c'est bien, Arnaud, bravo. Okay. C'est bien. C'est bien, messieurs, merci. La séance est terminée pour aujourd'hui, merci. Okay. Vous pouvez aller. On se retrouve bravo, tous les mercredis au Comic Comedy. C'est tout pour moi, ouais, je sais pas si vous avez... Que disent deux grains de sable dans le désert ? Je crois qu'on est suivi. J'en ai plein d'autres. Ça va, Pascal. Non, le sketch est fini. Vraiment, Pascal, éloigne ça de Sandra. J'arrive pas à la lire.